T-Mobile, Samsung SSD, and NVIDIA. Yo, bienvenue sur la BlizzCon, bien sûr, le WCS Global Final sur Gaming TV. Bien sûr, on va ouvrir la soirée, la deuxième partie de soirée, puisqu'on approche eh bien, du coup, de ce dénouement. Quatre matchs qui vont déterminer, quatre qualifiés qui vont aller rejoindre les joueurs qui sont déjà dans le bateau. Premier match, TY contre NiB. NiB qui joue à domicile, forcément le seul nord-américain qui joue depuis la BlizzCon, et en tout cas depuis l'état de Los Angeles, et Orange County, et qui va affronter un des gros players, TY, pays du matin calme. À voir, est-ce que NiB pourra et véritablement défendre l'honneur des États-Unis of America, ou alors est-ce que, comme tous les foreigners, jusqu'à maintenant, presque tous les foreigners, il va se faire envoyer paître. C'est ce qu'on va découvrir avec Yogo et Funka au cast, bien sûr. Ah oui. Merci beaucoup. Effectivement. Bon. De toute façon, dès là, c'est mission qualifier un deuxième foreigner au moins. Voilà. Il sera seed 2, quoi qu'il arrive, pour les seed 1. C'est déjà foutu. Et on a encore, du coup, possibilité d'en récupérer 3 en les personnes de NiB, Showtime et Special. Voilà. Ouais. Donc, potentiellement, il pourrait y en avoir 3 de plus. Sachant que 2 des 3 ont déjà réussi le top 8. Un a déjà réussi la demi-finale. NiB, c'est le seul qu'on attendait énormément l'année dernière. Exactement. Mais qui n'a pas réussi à se qualifier. Cependant, il a gagné un tournoi sur le sol coréen. Donc on a trois des joueurs les mieux placés. Et il a fait demi-finale en GSL cette année. Oui. Il a fait demi-finale en GSL cette année, ce qui est quand même loin d'être dégueulasse. Donc c'est marrant parce que l'année dernière, effectivement, on attendait NiB. Je pense que pas mal de gens, d'ailleurs, le Pro Ranking de Gaming était d'ailleurs plus faux l'année dernière parce qu'on avait mis très très haut un foreigner. Ah ouais. Comme cette année, on a mis Serral très haut, mais il a deliver, en tout cas pour le moment. Il est top 8. L'année dernière, NiB, on l'avait mis, je pense, il devait être genre 5e probablement. Il avait perdu en poule. Il avait perdu face à Rogue, qui est d'ailleurs 5e de notre Power Ranking et qui lui est qualifié pour les quarts de finale. Mais voilà, NiB, on l'attendait vachement l'année dernière. On l'attend peut-être moins cette année. Et c'est peut-être là qu'il fait l'upset en sortant TY. Là, plus un upset, je pense, puisqu'on le rappelle, TY et NiB se sont déjà rencontrés une fois dans le tournoi. NiB l'avait emporté 2-1. Et encore un petit peu avant, la fameuse demi-finale de GSL, puisqu'on le rappelle, NiB participait à la GSL cette année en étant résident en Corée. Oui. Eh bien, tout simplement, défaite 4-2. Défaite 4-2 en demi-finale, ils s'étaient déjà joués, TY et NiB. C'est ça. Mais ça montre à quel point, tu vois, ça peut balancer d'un côté ou de l'autre. Parce que si tu fais les maths, ça fait 5-3 aller en la faveur de TY sur leur dernière confrontation. C'est serré, c'est genre serré de ouf. En gros, c'est le qui a moins le besoin de se moucher parce que visiblement, voilà, la maladie et de sortie. Ah mais ça voilà, c'est les joueurs. L'air conditionné, les bros. Ça c'est faut faire c'est la climatisation. Il faut s'habituer. Non mais voilà, ça, du coup, ça joue faut à la forme du moment. Celui qui est vénère sur ce tournoi, enfin sur cette journée en fait, hein, parce que maintenant il ne reste plus que ça. C'est à un BO3 qui va déterminer si tu vas avancer sur cette compétition. Et c'est plus que de te dire. Tu vas arriver en top 8, c'est tu peux prétendre de faire un saut de. En fait, si tu sors en top 8, déjà, tu as 28 000 $. Mais si tu es top 1, tu as 280 000. Puis t'es en fait, top 8 mondial là, aussi. Tu rajoutes un sale zéro quand même. Déjà, tu gagnes plein de sous. Et puis, tu confirmes ton top 8 mondial. Ouais. Tu confirmes que tu as upset un Coréen. Parce que c'est ça la composition de ces groupes, c'est deux Coréens, deux foreigners. C'est comme ça. Et donc, du coup, pour quelqu'un comme NiB, bah, je pense que effectivement, c'est un but qui est légitime et qui serait potentiellement logique. Vraiment. Là, les quatre affrontements qu'on va voir, cette deuxième partie de soirée, comme d'ailleurs Ponf l'a ouvert, c'est réellement ça. On a ouvert sur cette idée de « c'est la deuxième partie de soirée, les gars ». Là, on est entre adultes, on est entre gens de goût, on est entre gens consentants et goûtus, et on va se faire plaisir sur 4 BO3 d'affilée, tout simplement, entre 8 joueurs de qualité supérieure, comme le Ramon. Des matchs qui sont complètement rêvés, voilà. Et si on a qui se posent la question, ouais, et puis un petit PVP. Attendez, mec, les PVP avec SOS et Zest, c'est genre good life. L'un des meilleurs matchs de l'année pour moi, genre tout match-up confondu, c'est un PVP et c'est celui de Zest contre Stat en Super Tournament. Il était, mais genre, pff, on n'avait jamais vu un oufissime. Truc aussi
jamais vu un truc aussi barré en termes de micro-gestion, de move pété du brain, ambitieux, du droit d'adette dans les stases, récupérer, stases pour couper ta retraite. Enfin, on était sur le summum de ce que tu pouvais faire dans une game de StarCraft 2. Donc, j'ai hâte pour quels que soient les matchs que l'on va avoir, mais dans tous les cas, le premier ici, c'est Nib contre TY, un rematch de rematch de rematch. On a le sourire, on est détendu du côté de chez Nib, mais ça va serrer le bully d'ici quelques secondes. Hein. Bah ouais, parce qu'on va découvrir son adversaire et je pense qu'on va voir du coup des séquences de leur opposition cette année. C'est là qu'on voit, je suis désolé, c'est là qu'on voit la qualité du coup d'une belle prod et d'une saison bien pensée au WSS cette année, parce que ces joueurs, pour des raisons X ou Y, ils se sont joués, ils ont une histoire les uns par rapport aux autres, ils commencent à avoir des histoires parce qu'on a de la régularité sur les gens présents entre la BlizzCon de l'année dernière par exemple et cette année, on a pas mal de récurrences et on a des storylines qui sont puissantes. TY Zest, deux joueurs énormes, je pensais qu'on regardait du TY Nib en fait, donc du coup j'ai un peu frisé, mais TY Nib se sont déjà joués cette année. TY très présent en GSL, finaliste de la saison 3 justement après s'être débarrassé de Nib, un joueur ultra qualitatif, une sorte de major de spécial coréen, puisque lui aussi c'est la tactique, lui aussi c'est le multitask qui fait sa force et son late game. Oui. Il a aussi cet arbre là en late game, il est très 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 impressionnant. Nip face à TY, le premier BO3, pas vraiment eu de late game. On n'a pas eu de moment où TY a pu faire parler de late game. C'était des games très agressifs. Ah, c'est un match-up qui va très peu. Hein. Là, c'est un match-up du cheese, c'est un match-up bourrin, quel que soit le côté. Et dans tous les cas, on est parti. La game qui est en train de se lancer, TY contre Nib. La question, c'est un peu quel va être le proxy de TY. Il ne fait visiblement que ça. C'est un peu du 7 sur 7 pour ce monsieur. Et Ponf. C'est quoi ton ouais. pronom là. Il est où le pronom de Ponf? C'est chaud. Les étoiles sont brouillées ce soir sur ce match. Très très dur de pronostiquer qui que ce soit vainqueur. Le ciel est brumeux. TY peut-être qu'il va. J'aimerais bien qu'il réessaye de faire son proxy ghost là. C'est contenu qu'il avait fait, non? Oui. Quand il lève la rack là et qu'il va produire un ghost sur le mec. Ouais. C'est ça, hein. C'était insane. Donc tu veux voir du sexy de la part de TY, mais tu nous dis rien. Tu nous fais pas de pronom, en fait. Mec, genre, est-ce que là c'est pas le meilleur pronom en fait de l'histoire? Il y a moyen, parce que nous on voit la game qui a déjà démarré, on a pas mal de délais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs le clean feed est si late et je pense qu'on peut jumper dans la game. Pas de pronostic de la part de Ponf qui ne prend pas de risque. Quel est le pronostic de Yoro? Je vais dire TY 2-1. TY 2-1, et moi je vais concourir avec ça, un TY 2-1 également. Je pense que le terrain va s'en sortir. On découvre ça tout de suite maintenant, puisqu'il y a un proxy, les bros! Et il y a deux extracteurs très tôt! Oui! Et la caserne, pourquoi est-ce que tu la mettrais là si c'était pour attaquer avec ton faucheur? Tu la mettrais beaucoup plus proche. Sauf si c'est vraiment pour la planquer, mais. Ah, t'as Reaperino quand même. Reaperino. Il va proxy la facto aussi, je pense. Peut-être un peu plus proche. Je sais pas exactement. Non, mais quand il a fait le proxy ghost, il y avait un faucheur. Ah, je me rappelle pas, mec. Je me rappelle pas de la game dans sa précision. C'est pour ça que j'ai pas été très intense dans le fait de dire. Oui, c'est au ça moins que t'avais passé, le CV qui était parti planquer la Ghost Academy. Là, ce n'est pas le cas, il me semble. Le CV est parti scooter. Factory de l'autre côté, un Reaper d'un côté, la facto de l'autre, la prop qui va avoir scouté très très vite, pendant qu'on va quand même introduire ces deux champions, puisqu'on rappelle qu'ici on aura un qualifié au terme de ce BO3. Est-ce que ce sera cet homme, le terrain bleu en haut à droite, représentant la team Splice? Il s'agit de Taeyang TY. Et en bas à gauche ici, il s'agit du champion évidemment de la caisse backup, Niblet. Et du triple champion de WSS aussi. Oh, Niblet qui pique trop bien face à ce Reaper. Ils sont où les kills, TY? On micro bien face à Stripper, mais il va falloir bien micro face au baroudeur, il va falloir bien micro face au cyclone qui va arriver derrière, parce que ce qu'il est en train de faire, on l'a déjà vu hier. Faucheur, cyclone, maraudeur, énormément de DPS. Et pour l'instant, ce n'est pas scouté. On a quand même identifié qu'il y avait un problème, mais on ne sait pas dans quelle mesure encore. Après, moi, les Shiba Tru sont là. Ok. Et le robot est en train d'être accéléré. Très bien. Ouais. On a cut les props. Pour l'instant, c'est parfait ce développement de Nib. C'est une réponse qui est quasi parfaite, effectivement, de la part du joueur américain. On rappelle, hein, United States of America versus South Korea dans ce match. Badep, c'est bien micro de la part de TY qui va temporiser un petit peu son STV. Il en ramène d'ailleurs un deuxième, il en ramène même trois de plus parce qu'il veut absolument que ce bunker se termine. Oh la mine qui connecte avec les deux adeptes, et oui. Le STV qui est reculé. On va tenter, all-in, c'est bien fait. Mais comment il fait ça, mec? Il shade devant, il all-in sur le Reaper, la shade qu'il ramène sur sa shield batterie. Arrêtez cet homme, le bunker qui se termine, le maraudeur qui va pouvoir rentrer, le cyclone qui fait beaucoup de dégâts. Il a peut-être un peu beaucoup commit là par contre, le joueur
le américain. Mais c'est pas grave, il est en train de temporiser la transition immortelle, là, hein, donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Le tracker, il est épais, on le planque, le maraudeur dans le bunker ici, pendant qu'on a les 3 civils qui ont le potentiel d'aller réparer. Ça, ce micro très très bien des deux côtés, mon petit bunker. C'est scandaleux ce qui se passe dans cette game des deux côtés. Ouais. La micro est au poil de cul, c'est hallucinant. Le stalker et la def qui sont bien isolés, mais le premier immortel va arriver, le Big Daddy immortel, on le rappelle, c'est 52 dégâts par attaque, à 180 points de vie sur ce cyclone, même si on peut le réparer. Attention, on va se faire toucher. Le Hardened Shield qui va être trigger, donc le bouclier de l'immortel qui disparaît. Regardez les dégâts, un cyclone qui va être tombé. Ok, le premier qui était tombé, on est aussi en train d'abattre les civils hein, qui sont en train de réparer le bunker. Pour l'instant, ça va bien, mais attention, les cyclones sont en train de se cumuler. Mais le deuxième immortel aussi, il va y avoir un problème. Hein. Il va falloir tenir le Nexus, il va falloir engager du côté de Jenny, il va falloir forcer l'affaire ici. Ouais, la stratégie inspirée de ce que Maru avait proposé dans le match précédent. Non. Le Stalker qui tombe et le cyclone qui est hors de portée. Il va falloir relit sur ce Nexus, il va le faire et je pense qu'il va tuer ce Nexus. Ça va être grand-chose. Ou pas, sur le cyclone qui est orange. All in, le cyclone termine le Nexus. L'enfoiré, c'est mort. Il sauve le cyclone pour le moment, mais le Nexus qui est terminé par ce CV. Le Stalker qui va rattraper le cyclone, est-ce que ça se fait là au niveau de la vitesse? Je sais pas. Oui. C'est une interaction que j'ai pas beaucoup vue. À chaque fois qu'il tourne, par contre, le cyclone va se faire toucher. C'est pas exactement la même vitesse de déplacement. Ouais, je ne peux pas vérifier sur cet overlay, c'est quand même bien dommage. Alors, après ton deuxième immortel, est-ce que tu ne fais pas un prisme transfert pour aller contre-attaquer avec au moins un petit harcèlement, tu vois, genre tranquille, il vient de sortir une mine, like a boss. Est-ce qu'il a le temps de la bureau? Mais quel fucking génie. C'est hallucinant, mec. Le niveau de ce début de game est complètement débile des deux côtés. Il aura fini par récupérer le cyclone, du coup, il y a rien dans la base. Il est tellement perché que je sens qu'il va faire le steam à l'autre bloc. What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe, mec? Est-ce qu'il fait Il y a un maraudeur derrière. Heureusement pour lui, il y a un maraudeur. Ouais. Heureusement, il y a un maraudeur qui avait traversé la carte. Ça aurait pu être catastrophique pour. En tout cas, ça aurait pu être très très emmerdant pour TY. Ce ne sera pas le cas. On est sur la porte qui s'est terminée. On va jouer côté. Côté terrain. Je sais pas pourquoi il envoie autant de SCV. Non, mais en fait, il voulait pas qu'il ait genre le moindre adepte qui soit warpé, qui puisse absolument tout faire. C'est le warp. D'ailleurs, il a même pas le warp gate. Non mais c'est bien, non mais ça montre à quel point en fait c'était précis le développement de la part de Nib. Il a gratté où il pouvait pour accélérer le complexe robotique. Là par contre à l'harcèlement. Oh là 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 là, les deux IMO qui ont fait mal. Le bunker, la réparation ici qui est suffisamment efficace. Il va prendre les SCV gratos, par contre attention Nib. Et la Banshee qui pourrait rattraper les mortels. C'est quoi ce bordel? Le dernier. Le maraudeur. Et la Banshee qui est là. On a perdu 3 SCV dans le processus, la Banshee. Est-ce qu'on intercepte l'immortel ou est-ce qu'on veut rester masqué sans venir le coup quand même, Nib, avec un petit observateur des familles? Genre cette perte de l'immortel, genre non, t'avais pas forcément le droit, la Banshee qui va arriver comme petite fleur sur la P2. Il y avait un prisme derrière, la suite du truc c'était je mets la pression d'abord à pied avec les immortels et ensuite je les pick up dans un prisme de transfert et je fais encore plus. C'est un petit peu gourmand peut-être bien. La Banshee qui est en train d'arriver ici, on a un tracker pour défendre, on a les 4 chips, il va falloir décaler toute la récolte. Cette première game est hallucinante, honnêtement. C'est genre ultra high level, deux joueurs qui en ont rien à foutre, qui vont tout tenter, hein. C'est genre ultra ambitieux, regarde. Ah ouais, mais moi je te warp dessus parce que t'as quand même pas beaucoup de DPS. Et puis quand même pas de surface d'attaque ici parce qu'on va transférer ici derrière le CC, mais non. What, mais regardez ça, mais qu'est-ce que c'est que cette game? C'est quoi cette game? Il revient avec sa Banshee TY. C'est tournée de manège, qu'est-ce que tu vas faire? Mais il y a tellement pas de capacité de production côté terrain que les 3 unités toutes pourraves de Nib sont en train de faire le boulot. Oh là là, et je suis pas sûr qu'il ait géré ça comme il fallait. Je sais pas s'il fallait pull tous les civils comme ça. Regarde la différence d'income, mec. C'est horrible. Et la Banshee surtout, elle a dû faire demi-tour. Je crois que c'est un peu ça le truc le plus tragique dans l'histoire. Ouais, il y a eu aussi cette. Attends, il va prendre le tank, il prend le tank. Il peut pas récupérer les mortels. Il va prendre le Banshee. La Banshee. Mais qu'est-ce que c'est que cette game? C'est excellent. Mais oui. Genre vraiment les deux joueurs qui font le maximum de toutes les habilités disponibles dans StarCraft 2. Et voilà. Le missile qui s'est terminé, donc du coup on a le temps de faire entrer le Zealot, on va le sauver. Regarde, il est devant. Il se passe trop de trucs. Et il fait des trucs direct. Genre. What? La Banshee qui est là. La mine qui a fini par être au milieu. On avait peur une mine tout à l'heure. Regarde la pression qui est constante. On a terminé 4 gateways, mine de rien. Oh la micro. Oh la micro. Juste pour prendre les marines. Le Viking qui est là. Non, il y a un moment, il va falloir arrêter de déconner. Je sais pas si. Est-ce que tu rentres à la maison ou est-ce que tu refais pas un cycle de warp? Genre le prochain. T'en mets 4 là. Tu vas l'avoir d'ici quelques secondes. Mais mec, ok. Y a les aider pour les tanks. Ah, il y a un tank, ok. Moi je pense qu'il y a une énorme opportunité pour Nib. Ah oui, ah bah je pense que là il montre qu'un adepte. Il veut pas révéler le nombre d'unités qu'il a. Ok. Ah, il voit le tank et du coup ça lui fait peut-être un peu peur. Mais l'observateur arrive. Hein. Même s'il y a un corbeau qui va faire que la longévité de cet observateur va être très réduite, au moins tu. Faut qu'il s'arrête là, Nib. Oh, s'il s'approche, il va finir par se faire scouter. Quoique. Est-ce que TY il prête attention? C'est tellement important. Il est siégé ici. Hein. Regardez la vision dans cette position là. Un autre warping d'adepte. On warp directement. Oh là, il va accepter les shades là. Il va accepter les shades, il va sauter sur ce tank instantanément.
Ok, Lobs qui va finir par être récupéré, c'est pour ça que les Marines étaient un petit peu derrière. Du coup, Nib va en profiter pour mettre pas mal de dégâts sur ce command center. Attention, là il est peut-être forcé de fight. Est-ce qu'il peut s'esquiver encore le missile? Le missile qui a fait mal, il faut pas perdre le prisme transfert. C'est bien beau d'aller gratter, mais derrière il faut se déployer. On est en train de positionner la troisième base, on est en train de développer sa son économie, mais très peu la technologie. Nib qui est un peu en train de s'enfermer sur ce qu'a fait. SOS tout à l'heure, encore SOS, il avait quand même double forge. Voilà, non, on est sur une archive qui vient d'être lancée. Comment ça joue trop bien, ça joue trop. Il enchaîne beaucoup trop vite. Ça joue beaucoup trop sexy. Oh là là, et là ça va commencer à dégénérer pour le genre terrain. 4 adeptes dans ta base. Et qui a déjà un énorme retard d'un point de vue économique. Et les trackers qui sont de l'autre côté, même si t'as un tank, ça se disrespecte assez facilement. Mais il est incroyable, T-Way, parce que. Là dans cette game il perd énormément de SCV, il en perd 16 depuis le début, il est pas excessivement bon pour les reproduire. Oh. Mais alors par contre qu'est-ce qu'il joue bien avec les unités qu'il a en fait? Ben ouais, et pareil, de l'autre côté Nib, il fait ça mais sa macro elle est plus précise là sur cette game. Il est en train de sécuriser une B3 mine de rien. Ouais. Nib qui est en train de deliver hein. le niveau de jeu ici, il harcèle comme pas permis, il lui fallait hein, parce que T-Way il avait l'installation, il avait la deuxième base, il avait tous les bâtiments de production, il avait la technologie, il lui fallait vraiment faire des dommages. Par contre il peut crever maintenant. Produit, hein. Là, Nib. C'est le moment où il peut prendre un timing sur la B3. Sans le bowling, tu peux pas vraiment temporiser grand chose. Il n'y a pas vraiment de temporisation possible, même s'il va le tenter, parce que voilà, c'est Nib et qu'il a beaucoup d'APM à revendre. Ça joue très très vite. J'aime beaucoup l'ajout rapide. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Parce que cet overlay est un peu bizarre par moment. Tu peux avoir la prod en bas. Ouais, tu peux remettre la prod comme elle était avant. Bref. C'est qu'il décide de faire des archontes. Donc il a fait rapidement alors que le steam est là. Oui, il va se faire clear beaucoup de stalkers. Le Raven qui va tomber, ça c'est très très bien fait. Il sait qu'il va perdre les trackers, autant prendre une cible d'ailleurs. Faut peut-être prendre le viking, c'est ce qu'il va faire. Ah, il se fait arracher le bully quand même. Mais du coup trade. Ah, c'est dur. Oh, il s'est perdu dans les herbes. Ouais, il a peut-être voulu faire un petit ten run qui a été un petit peu foireux. C'est maintenant qu'il peut mourir. Il a deux sentries pour temporiser. Il a pas fait assez de zélotes pour moi. Là, je comprends pas pourquoi il a pas 10 zélotes. Parce qu'il y a peut-être pas de gate en fait. Hein, là. Non, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'archontes, il y a un warping d'adept. Je pense qu'il est pas le meilleur, le mieux. Il va chercher la conca, mais le mieux adapté. Oh, il pull les boys, il a raison, T-Way. C'est maintenant qu'on tue. C'est la même chose qu'il a fait face à Zest. En difficulté, en finale, le GSL, il avait pull les boys comme ça. Regarde comme il tank face à Zélote. Et du coup, c'est la deuxième phase. Il y a tous les marines qui sont encore vivants. Et T-Way qui va aller prendre cette game. Peut-être, attention, ce warping de Zelot, il faut kiter T-Way. Il hésite à stimer parce que chaque coup peut être colossal. Le shit n'est pas terminé, le shit s'est terminé d'ici une minute, mais je crois qu'il est en train de le faire. Par contre, si c'est Arconte, mec, il met un shot au milieu. Ouais, heureusement qu'il n'y en avait pas un deuxième. Il est en train d'embrancher toutes les unités du genre Protoss qui n'a désormais plus grand chose en termes de revenus. Le prisme transfert qui est en train de rentrer à la maison, mais regardez-moi cet afflux complet de marines et les deux temps qui sont désormais à compte. Essayons de transformer les Arcontes. On a les Sulmatrices. Est-ce qu'elles sont capables de faire quelque chose? Non, les Arcontes se font souiller avant. Attention. Il s'est trompé là, il a voulu être un petit peu trop cute sur ce coup là, mais il vient de perdre 3 zélotes gratuitement. Alors que ceci était pas loin de pouvoir charger une fois de plus dans les marines, peut-être en générant du friendly fire. Mais là je pense que T-Way a fait l'instinct du tueur, du joueur sud-coréen sur ce coup là. Le Terran qui va probablement s'empocher cette première game. Il n'y a pas de sortie pour T-Way, pour Nib, il n'y a pas de Dark Shrine, il n'y a pas de Storm magique. Il y a des unités qui se font kiter tout simplement. Et les marines qui sont en train d'affluer, on va sortir les probes ici, c'est maintenant que tout est en train de se jouer ici. Les élotes sont aggro complètement par la vie. Et les marines qui dépèsent beaucoup trop derrière, ça sera une victoire. Un premier point sur cette game là pour T-Way. Cette game. Oh là 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 là. Et ce coup de maître de genre, allez, c'est maintenant, on sort tous les civils, mec, genre déconne pas, j'ai pris des trackers, c'est maintenant qu'on termine. Oh la sanction. T-Way Nib, ça deliver à chaque fois. Putain. Ça va. Holy shit. C'est insane quand même. Hein. Chaque unité qui est optimisée, là, t'arrives à un niveau de précision, mais qui... ça met sur le cul quand même. Mais mec, ça fait tourner la tête, c'est là que tu... Mais c'est le play aussi. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément les deux joueurs avec le pic le plus élevé de la planète. Je pense qu'à l'heure actuelle, par exemple, Serral, il a la régularité, il est en pic tout le temps, mais il n'est pas aussi sexy. Il est impressionnant par sa régularité, par le fait qu'il écrase tout le monde. Mais quand tu vois jouer des mecs comme T-Way, comme Nib, quand tu vois des mecs jouer comme Spécial, c'est le style de jeu en fait qui soudainement te fait kiffer. Et là, ouais, ok, les gens vont te dire, on est dans une méta où on fait pas beaucoup de macro game. C'est vrai, elle a duré 12 minutes cette game. Mais il s'est passé tellement. Mais il s'est passé 8 milliards de trucs. C'est-à-dire qu'ils ont dit Legacy of the Void c'est bien et tout, machin, on fait des builds, on peut prendre plein de bases. Mais surtout, en fait, on peut se foutre sur la gueule, minute 4. Et ne pas arrêter de se foutre sur la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tape à 10 minutes plus tard. Action Pact. Voilà, c'est ça, c'est une vraie game Action Pact.
Et en plus, il y a eu du retournement de situation de toute beauté parce que Nib était pas loin de l'avoir. Enfin, la défense avec le solo tank, les 10 marines, alors qu'il est en train de se faire envoyer des adeptes dans la gueule. Genre, là, TY, il faut m'expliquer comment il craque pas. Alors que 30 secondes avant, je me dis, il est complètement en train de craquer. Il fait tourner ses CV comme un derpo contre un immortel et deux adeptes. Je me dis, TY a craqué et tout, ça va plus du tout. Non, non. C'est juste que les deux se poussent tellement dans leur dernier retranchement qu'il y a des erreurs naturelles, mais ça te donne une game qui est ultra organique où il se passe des milliards de trucs, des milliards d'interactions. Et en plus, ils ont confiance en leur clic. Et puis, ils essayent, tu vois. Ils sont pas en train de se dire non, je peux pas faire ça, je vais me planter. C'est ça, ils essayent et ils le font, tu vois. T'as le prisme et les deux zélotes, il y a un tank qui passe et je vais le récupérer. L'autre qui rage au quart de tour, je te mets la matrice sur le prisme. Donc tu me prends un tank, mais tu repartiras pas avec l'immortel. Chacune des interactions était beaucoup trop sexy et quasiment impossible à reproduire chez toi à la maison. Hein. Ces joueurs, c'est vraiment des fucking géniaux. Impossible, c'est impossible. Le level non, de jeu. Non, surtout que ça macro, ça micro, ça a l'intuition, ça te fait des trucs complètement pétés. Non, ça joue beaucoup trop bien. Moi, j'ai envie de dire meilleur game du tournoi, je pense, depuis le début. Et ça balance des super actifs. Et pas loin de. C'est une des meilleures games que j'ai eu cette année, je pense. Elle était ouf. Oufissime. Et je crois qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui sont un peu en PLS de ouf parce que vraiment ça a très 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 bien joué sur cette game. C'était sexy as fuck. Figurez-vous, les gars, que le BO3 n'est pas fini. C'était que la game 1. Non, mais on va être frustré que ça ne soit qu'un BO3. Ouais, tu vois, on va dire, bon, les gars, c'était ma phase numéro 2. Non, voilà. Ici, en haut à droite, il est là, Monet. Ah non, mais non, mais déjà pas, mais on commence en bas à gauche ici, en bleu, et il s'agit de Splice DY. Ah ouais. Et on va passer très rapidement dans le jeu une fois qu'on aura introduit ce joueur en haut à droite pour les États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Nib qui se fait proxy, pimpon pimpon, deux propres de sortie. Cette track, tu l'as fini pas, TY ? Hein ? Il n'en a pas relancé chez lui. Il en a marre ! Il n'en a pas. Hashtag OGSC2, bien sûr. Hashtag WCS. Est-ce que vous kiffez, ma man ? Est-ce que tu fais pas un CC? Est-ce que du coup il ne part pas sur un CC first débile? C'est une des transitions possibles pour un proxy l'Arax à un autre endroit. Il aurait déjà relancé sa Rax s'il la voulait. Il fait IB block CC first, je pense. Ou alors il termine l'Arax. Non, il se dit qu'il va terminer l'Arax. Ok, avec le deuxième essai, très bien. Ouais, mais attends, non mais Nib, Nib est pas d'accord. Non mais c'est qu'il y a Nib tellement pas d'accord, il fait à ton milieu, tu fais n'importe quoi, gros. Tu peux refaire le proxy shield battery, tu es à l'ancienne limite. Hein, genre, tu peux passer en mode full débile là-dessus. Hein. La facto est méga speed. Hein. Ouais. Bah en même temps, c'est lancé avant le faucheur. Hein. On était avant. Je suis tellement fan. Mec, il est. Du coup, t'as un BO quasiment rien, centre. Putain, mais oui, dans le proxy shield battery. Mais si c'est une game de as. Tu sais, puis la Stargate, elle est vraiment à côté, tu vois. Côté base de TY, tu vois. Aucun moment, elle serait. Non. Ce qui est peut-être une erreur. Tu sais, ça laisse moins de place éventuellement pour des shield batteries. Après, c'est peut-être pas le projet. Hein. Mais. Ok. À la micro. Ouais, ça me tue, mec. Genre, il sait. Cette game, elle me tue. Il sait, maintenant l'autre, il sait qui c'est, tu vois. Il vient voir s'il n'y a pas l'adepte qui tape d'en haut, mais l'autre, il l'a reculé juste de la portée pour pas que l'adepte y tape. Genre. C'est vrai, les gars. Voilà. C'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est scouté de l'autre côté, par contre. Tu vois, il a rajouté 3 shield batteries, ça va être un proxy shield battery. Voyez, les gars. On est sur la deuxième IB qui est lancée dans cette game. Bah oui, et la deuxième qui va être réellement utile parce qu'il va falloir produire des toiles dans cette partie. La première mine qui va sortir, on n'a pas de Rax dans la B1 du joueur Terran qui doit revenir avec SCV et Reaper, mais l'adepte a pu sortir, légitime. Oh mon dieu. Ce pylône maintenant il est virtuellement invincible. Ouais, on ouais, pas l'unité de sortir, de toute façon il y a 3 chaînes de batterie, pour l'instant il n'y a pas de dégâts. Heureusement le wall est terminé. Allez, CY. Attention, petite récupération. C'est bien, c'est esquivé. Là le moindre esquive va compter. Hein. Il va falloir conserver absolument tout ce dont on a besoin. Tu n'as finalement que 3 dépôts de ravitaillement qui sont exposés. T'as pas la rack souvent qui est dans le wall et puis tu te fais ramasser un à la porte de suite. Et il est pas mal ce bait. Oh il y a du réflexe. Parce que mec, la mine tu la vois pas. Hein. Genre jamais de la mine tu la vois. Très bien, très bien. C'est pas mal défendu. Je trouve que déjà la gestion de crise, le premier début de gestion de crise de TY est hallucinant. La prise de décision de Nib de dire ok, t'es en train de me faire des trucs à l'arrache, je vais te proxy Stargate Void Ray, moi j'adore aussi, je suis méga fan. C'est clair, attention, il faut se mettre du côté shield battery, on va attendre le deuxième Void Ray, récupérer la charge du premier aussi. Alors attention à la micro Viking contre Void Ray, pardon. C'est si tu te fais coller par le Viking, par le Void Ray. Normalement, le Void Ray peut le terminer. Le problème, c'est que derrière, il y a des mines qui font la défense. Pour l'instant, c'est bien malin. Propre hein, ce que propose TY. Hein. J'avoue. Il répare par contre, attention. Oh la mine. C'est un. Allez, du coup, il all-in sur un Void Ray qui peut aller réparer. Ouais. Enfin, qui peut aller. Ok, il peut redonner des points de vie tranquillement avec les batteries shield. Les deux mines sont unpowered. Il faut les micros parce qu'elles sont vues.
Mais en fait, il y a la troisième qui est en train d'arriver, il y a les Big Kicks, ça n'a pas l'air de passer. J'ai fait PZK, il va perdre son Voidray. Aïe, aïe. Et là, il s'est fait coller. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit? Il va prendre un shot 2000. Mais on en profite pour s'approcher du coup du côté de chez TY. On continue de prendre de la vie, de la place. Et on se débarrasse de ce Voidray. Non, mais pour TY, il a. Nexus. Non mais ouais, il a pas du nip pour tuer la technique. A la base, le proxy voidray, t'as 10 batteries shield. Ouais, là y'en a que. Mais non, là on a préféré genre juste mettre la pression, on met TY vraiment en mode reclus chez lui et on pose une de ses bases. Ok, pas sur le spot normal. Il a fait double starport. Tu forces l'overreaction. Double starport. Est-ce que c'est pas un coup à crever sur Mass Viking? On peut mourir sur Mass Viking Glended, hein, c'est une game qui peut se terminer comme ça. Attention, on va prendre un premier Viking, c'est le premier de la game. La bonne micro sur le Voidray qui va passer en mode gros rayon. Ouais, mais les... Oh, y a pas de points de vie. Il se fait déchirer. Et voilà, les Vikings qui vont passer directement au sol pour se débarrasser. Mais du coup... Attends. Du mec, coup, de l'autre côté, on a dit, on fait un Nexus vite. Il a 28 ouvriers, il va bientôt avoir qu'on a pas la contre-attaque la plus débile de l'histoire. Ça, c'est pas possible. Là, j'ai peur. Mais en vrai, là, t'as pas beaucoup de bâtiments de production, fais ce que t'as. Hein. Marine par deux, Cyclone, Viking quand t'as de la ressource. Non, mais c'est surtout qu'en fait, le Protoss, il a une produit sur... Ah non, ok, t'as l'Immortel qui commence à être lancé. L'Immortel, il dit non, quand même. Ok. Et il dit non, mais il dit vite fait non, hein, t'as quand même 3000 en cyclone. Et les Vikings, il suffit que tu te fasses pop le shield et il disparaît. Hein. Mais là, ce qui est possible, c'est qu'il y a une séquence de multitask qui peut s'ambiancer. Là, peut-être par précaution, voilà, il va se dispenser du pylône. Mais tu vois, le cyclone qui poke au niveau de la B2, les Vikings dans la main, est-ce qu'on a assez d'unité du côté shield pour défendre en double front? On va voir ça d'ici quelques instants. On a donné le réacteur à la factory pour produire des cyclones. Et ça va bien être une armée de 5 vikings, quelques mines et 2 cyclones qui va se regrouper. Aussi, ça. Est-ce que on peut se mettre dans le petit wild? Je crois qu'il ne sait absolument pas ce qui se passe, non? Ah non, il a aucune idée de ce qui se passe. Ah ouais, il a jamais scouté dans cette game. Hein. Tu sais que le gars est parti sur autre chose parce qu'il a, de toute façon, il avait peu investi dans son push et puis qu'il a abandonné ses Voidray et qu'il n'est plus là. Mais de là à savoir ce qui se passe, ça se trouve le mec qui revient avec full Stalker Blink, avec des Adept Glaive, ou le mec il a 2 Stargate, t'en sais rien quoi. C'est normal, tu vis dans la peur et je pense que TY, tu vois, du coup, alors qu'il a un play, il a des plays à faire, hein. Je veux dire, il a des unités mobiles, il a beaucoup de vikings, il peut aller sniper Sprism s'il est sur la carte par exemple. Les cyclones peuvent arriver, reculer, poker, il n'y a pas vraiment d'unités qui peuvent les rattraper à ce moment-là, il prend pas trop de risques. Donc il pourrait faire des choses, mais là vraiment, TY il a dit, ok, j'ai pris cher, ça m'a fait peur, je pose ma B2, il la pose late, et là il commence à accuser le coup d'un point de vue économique, au point que on remet la game dans le bon sens, Nib il pose une B3, c'est pas du tout. Alors qu'il a commencé par un proxy target. Normal. Par contre, ce push là qui est en train d'arriver qui ne ressemble strictement à rien. Est-ce qu'il fait peur ou pas? Non. Genre, avec des vikings, t'avanceras jamais face à des sentries. Hein. Immortel, shield battery. Il va le chercher au milieu de la map. Est-ce qu'on a la détection? C'est dangereux qu'il se balade sans détection là. Il est où son ops? Ok, il est derrière, il voit l'armée. Mm-hmm. Les vikings peuvent poker de loin. Va falloir bureau les mines à un moment donné. Tu vois, les vikings qui sont en train de faire un tour. Je me demande s'il est pas dans l'intention de dropper dans la B1. Mais attention, il y en a par beaucoup. Il hein. y a recall potentiel et il y a ce pilote. Mais si y a recall, tu perds potentiellement ta base. Ou alors tu sépares ta population en deux, mais tu prends des risques de te faire charger par les mines. Va y avoir un problème dans la main. Hein. Limite, à la limite, tu vas juste chercher le pilote ou la robot. Est-ce qu'il a de quoi warper? Il veut forcer le recall. Oh, il est en train de lui faire le tour. TY qui est en train de lui faire un coup, mon gars. C'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Oh, le tracker est passé. Il va aller défendre par contre à coup de prise. Les sentries, par contre, les vikings sont en train de se faire défoncer pendant ce temps-là. On est obligé de se remettre en l'air pour aller récupérer le Voidray. Seulement, on est en train de pounce sur les sentries. On est bloqué dans ses propres cyclones. Ils sont tranquilles au niveau de la naturelle. Est-ce qu'il peut recall du côté de chez Nib? Il peut recall. Est-ce qu'il décide de le faire? Non. Il va y aller à la mano. Il va prendre des probes. Il va défoncer ce Voidray. Il ramène un immortel sur le sol. Il probe. Il reste les vikings, il a relancé les vikings dans la B1. Il rappelle. Aïe. La game elle est complètement débile. Je prise le tronçon, je vais mourir. Mais les vikings sont là, ils ne peuvent pas contester. On a armé qu'un tracker, ce qui n'est pas suffisant. Il aura presque. Non, il y a les mortels il aussi. Il se planque, il va se planquer de l'autre côté. Mais arrêtez-le, non. Mais quel scandale. C'est abusé, il n'a plus de Sargate parce qu'elle était en proxy et qu'elle a disparu. Donc il ne peut pas gérer les vikings. Cette séquence, il a repris l'avantage économique, TY. Alors est-ce qu'on a de quoi défendre? On a un tank pour temporiser. Le deuxième sera là d'ici une petite vingtaine de secondes. Il y a beaucoup de cyclos. Il y a deux immortels. Moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'il y a plus le prisme. Hein. Avec le prisme, c'est vrai que le prisme. Pourquoi pas? Mais sans, comment est-ce que tu t'engages? T'as pas d'adept, t'as rien à mettre devant. T'as rien. Qu'est-ce qui fait perdre des probes là? Oh, une mine qui s'est burrow tranquillement dans la ligne de minerai. Une mine qui avait été oubliée, je pense, par le joueur Protoss. Et TY qui est en train de montrer sa maestria du jeu chaotique sur une base ennemie. Il va rester un viking, mais t'as pas le droit de bouger. Non, mais t'as un immortel qui est là pour défendre un viking, mec. Genre, c'est la crise infinie cette game. Ceci étant dit, t'as 3 bases contre 2. Voilà, on a quand même du potentiel du côté de Chedi. Il va simplement falloir relancer les probes, lancer la technologie derrière, parce que là, les bâtiments de production de joueurs Terran, ils sont en place. Hein.
Il a de la prod, effectivement, légèrement supply block TY, comme à chaque fois qu'il est très sous, qu'il est vachement mis sous pression, et puis aussi que bah, voilà, il fait pleuvoir les APM d'un point de vue exécution. C'est là que je regrette de ne pas avoir les first person des deux joueurs. Mec, là, il y a un stream first person des deux joueurs, je me connecte direct. Hein. Je regarde pas le stream officiel, je regarde alternativement. Tu lâches le casque, c'est parti. C'est ouf, quoi. Ouais, mais ce serait hallucinant, mec. Mais c'est vrai qu'il y avait une année comme ça où t'avais que les pauvres d'absolument tout le monde. C'était bref, là, en plus, tu vas chercher un corbeau, donc tu as ta détection, tu vas pouvoir matrice le prisme ou les immortels, t'as un potentiel qui est énorme. Genre, Nib, il essaie de se refaire niveau écho, mais il sait que s'il relance trop de probes, il risque de se prendre un timing. Du coup, il est un peu mitigé, tu vois, il fait un peu moite-moite partout. Mais c'est dur, hein. Qu'est-ce qu'ils sont actifs? Qu'est-ce qu'ils sont actifs sur la map? C'est, ça doit être étouffant de jouer Nib comme il joue. T'imagines, mec? J'ai trop du mal à comprendre en fait ce que ça doit représenter d'être en train de jouer physiquement cette game, tu vois. Ah bah tu joues à 500 d'APM une game pour des dizaines de milliers de dollars quoi, genre c'est, ouais. c'est 382 ça. TY. C'est stupide. Il n'y a pas vraiment de mécanique de larme ou de rapid fire. De rapid fire en fait. Oh le champ de force. Je crois que c'est du légitime 382 de moyenne ça. Ouais. Non bah complètement. Et là il est parti en multi-front de TY. Allez classé, tu as ta tour. Est-ce que le Viking est toujours en haut à droite? Non il est mort. Okay. Le stalker est toujours là. Mais toujours panique, c'est pas qu'il a récupéré le kill. Mais tu vois, t'as du drop au sud, t'as du drop au nord. T'as une armée qui bouge. Oh, et on ressort les civils TY. Alors, par contre, mec, est-ce qu'il y a plus sexy entre all-in, marine et SCV qu'un disrupteur? Je sais pas, parce qu'en fait, t'as plein de petites merdes de marine et de SCV. Tu sais qu'il y en a un autre. Les marines n'ont pas le bouclier de combat, hein. Mais t'as pas de colosse, donc qu'est-ce que ça va jouer tant que ça? Oh, arrêtez, c'est top. Il regarde au bon moment, au bon endroit. Et du coup, allez, il va pas mettre le champ de force. Si, il va le mettre. Oh non! Ok, Nib qui va le perdre. Oh, ça passe, mais ça passe. Il y a trop de GG. Oh là 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 là. Mais déjà, mais tout ça grâce à t'as un petit drop de merde au nord, un drop de merde au sud. Et du coup, t'as toute la pop qui fait le grand tour. Tu poses tes cyclones en mode « Eh, vas-y, regarde, je drop des cyclones !» En fait, bam, tu rajoutes de côté. C'est limite décevant qu'il rate les force fields parce que du coup, t'as envie que la game, elle dure et je pense qu'elle n'est pas 100% terminée. Elle n'est pas bien engagée, je pense que TY. Mais surtout, en fait, faut rapporter à TY ce qui appartient à TY. Genre, Nib, 99% de ses games, il ne rate pas ses force fields. Pourquoi il rate ses force fields? Parce qu'il vient d'essayer d'envoyer un shot de disrupteur sur deux cyclones qui le harassent sur sa B2 pendant qu'il y a un drop B1 dont il a dû voir l'alerte. Et au même moment, même timing, il y a 50 fucking marines qui sont là genre « Vas-y, force field !» Et genre, il est pas du tout dessus, Nib, en fait. Une demi-seconde pour mettre 5 champs de force. Si tu les mets pas, les marines, ils steam, ils débordent, c'est fini. Genre, aïe, quel BO3, mec! Quel BO3! C'est trop triste que Nib perde, mais TY il est trop talentueux, tu peux pas le perdre. Pas le droit. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très, 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 très mal. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est TY qui est en train d'avancer. C'est notre cinquième qualifié pour cet événement. Ça sera un site 2. Il jouera par conséquent l'un de Maru, Rogue, Serral ou Stats. Voilà. Absolument incroyable. Voilà, des games brèves, mais tellement intenses. Genre, cette contre-attaque viking que tu poses, qui reviennent. C'est genre le premier tour que fait TY où il arrive sur la B2, qui est en fait la B3, et qui voit que c'est pas possible d'attaquer. Du coup, il fait le tour avec les vikings pendant qu'il fait le tour avec le reste de la pop, et qui, genre, il met les mines sur le passage. Genre, là, t'es dans du génie, quoi. Le sens tactique, et surtout, tu as genre le. Allez hop! Là, j'ai un feeling, là, je sens un truc. Non, mais les deux sont à un niveau mais scandaleux, moi, je trouve, sur cette game. Et c'est pour ça que genre, ça me vénère que Nib soit éliminé de cette BlizzCon. Que tes voisins t'ont entendu crier de passion toutes les 10. Ben oui. C'est bien ça, les gars. C'est ça qu'on veut. Faut tenir ton break, je pense. Les voisins qui gueulent. What the hell. Alors, je sais pas ce qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est un gâteau au chocolat, mais je vois pas ce qu'il met. C'est un gâteau avec de la crème anglaise. Auquel cas, je te déteste. Ou alors, faut consulter. Non, il est. Ce BO3 est de toute beauté et les deux joueurs ont joué comme des tarés. Moi, j'ai pas grand chose à dire à part fucking good StarCraft et c'est bien que la BlizzCon elle arrive à produire ça, même si c'est du BO3. Voilà, mais c'est comme ça, il y a des groupes. TY et Nib sont dans le même groupe, voilà, c'est comme ça. Mais putain, qu'est-ce que ça joue. C'était lourd et j'ai une bonne nouvelle. Quoi? C'est que derrière, c'est Z contre SOS. Ah, ça ne s'arrête pas là. Alors, voilà. Multidab dans tous les studios, évidemment. Cosby qui en perd la manette. Donc du coup, voilà, c'est un peu le...
Le combat de ce soir, c'est du skill, que du skill, que du très très lourd. Donc du coup, on va attaquer Zest contre SOS juste après la pause. Ça va être le même calibre de game. Hein. C'est, on là, espère. C'est un peu ça. C'est genre, deux, en fait, ça dépend du niveau de. T'as deux marionnettistes. De SOS. SOS, le pétage de plomb contre le roi de la micro-gestion. Ouais. C'est godlike, tu vois. Genre, c'est Zest, SOS, c'est les mecs les deux plus ouf à regarder en PVP, tu vois. Je rate un peu number one SOS parce que c'est toujours très drôle. Ok, une diable. Able to win against Neve and take his revenge. Congratulations. Let's talk about the games. Like in the game one, it was pretty close and Neve was ahead. And so when did you know you could win this game? 8강 진출 축하드립니다. 이제 1세트부터 얘기를 할 텐데. 약간 막상 막하였다가 닙 선수가 좀 잘하고 있었는데 언제 아 내가 이거 이길 수 있겠다라고 확신하셨나요? 일단 1경기를 굉장히 불리하고 이 게임은 졌다는 생각을 많이 했었는데 닙 선수가 그 중앙 부분에서 추적자를 컨트롤 미스로 흘리는 바람에 그때 아 이길 수도 있겠다라는 생각을 했고 1경기를 닙 선수가 굉장히 유리하다고 스스로 판단을 했는데 져가지고 많이 좀 멘탈이 좀 붕괴가 됐던 것 같아요. 네네. So in this game one, I knew that Nip was way ahead, and I thought I lost this game actually. But there were some mistakes from his part. He lost some stalkers by a miscontrol, and that's where I thought that I could win this game. And I think that game was a huge like on his mental had an effect on him actually. About game two. So you tried to proxy, then he scouted it, and he proxied back. How did you feel? 이제 2세트 때 전진병을 하시다가 그 스카우트 당하고 이제 다시 닙 선수가 프록시를 했는데 어떠셨어요 그때? 그 닙 선수가 무난하게 해줬으면은 제가 쉽게 졌을 것 같은데 닙 선수가 그 앞선 경기 마루 선수와의 경기에서 그 전진 그 우주 관문을 하는 걸 보고 생각 범위 안에 있었기 때문에 제가 정찰할 수 있었던 것 같아요. Actually, I think if you have played normally, I would have lost this game because I already knew. He said the same. He did the same thing against Maru, so I was ready against the proxy Stargate. So if you had to put a mark out of 10 on your performance today, which mark would it be? 오늘 이제 한 경기에 10점 만점에 점수를 매기자면 몇 점이세요? 사실 제가 오늘 좀 실력적으로 이겼다는 생각은 들지 않고 좀 빌드적인 측면에서 운이 굉장히 많이 따라서 이긴 것 같다고 생각을 해서 저는 그래도 올라간 거를 포함해서 한 5점에서 한 6점 정도를 주고 싶어요. I think I would put like a 5 or 6 because I don't think I won because I played better but I got a pretty lucky with the builds. So yeah, 5 or 6. Well, I'm really looking forward to see your 10. So now you're advancing to the next round, round of 8. You will have to face either Serral, Stats, or Rock. Is there a player that you really want to face? 이제 8강에 올라가셨는데 이제 세랄 선수, 김대엽 선수, 아니 이병렬 선수를 만나고 싶은 선수가 있나요? 솔직히 지금은 누굴 만나도 제가 이기기 힘든 상대들이라는 거를 정말 16강전 하면서 많이 느끼고 그래서 누굴 만나도 힘든 경기가 될 것 같고 제가 다음 8강 전까지 스스로 좀 실력을 많이 끌어올리지 않는 한 누굴 만나도 힘들 것 같아요. I think it's gonna be a hard match whoever the player I play against in the next round and then I'll have to practice until the next round. Okay, congratulations. Do you have any last words for the fans? 네, 감사합니다. 네. Well, thank you, TY. Back to you guys. Quand voilà, on lui demande de dire Samnida. Merci voilà pour Samnida. La traduction si besoin. Voilà donc un TY qui l'a échappé bien, il le dit lui-même hein, sur la première game. Ah, c'était chaud, mais il a fait une petite boulette, il a laissé les trackers trader. Laisse pas trader tes jouets, sinon je ramasse la game. Voilà. Ouais. Donc TY qui avance sur. Qu'on retrouve la semaine c'est prochaine. C'est des games en overdrive en fait. Les deux ils sont en overdrive tout le temps, genre sur ouais. Ce truc-là. Ils sont au bord de la rupture quasiment à chaque fois. TY un petit peu plus en contrôle quand même malgré tout, mais c'est peut-être aussi plus facile de jouer cet aspect du jeu du côté du joueur terrain.
Varane, ouais. tu vois. Et du coup, bah, en protoss, effectivement, il va faire plus d'erreurs, mais il est en train de pousser son adversaire. Il joue pas du tout seul à StarCraft, Nib, en ouais. tout cas, en ce moment. Et c'est le cas de TY aussi, qui fout le bordel en faisant des proxys à toutes les games, ce qui est un peu un classique du TVP à l'heure actuelle, mais il génère ce truc-là. Donc les deux sont OK dans ce fait de se dire on va se foutre KO le plus rapidement possible. Ça donne des games sexy, mais aujourd'hui, bah, TY était plus solide, quoi. Non, c'était très, très, très violent. Et donc TY qui, bah, de toute façon, aura une affiche de ouf. Hein. Genre, ça va être... Soit il va retaper un Maru, donc t'as une redite de finale GSL, soit il va se taper un stat, pareil, tu l'as eu en Super Tournament, soit ouais. éventuellement il va se taper un Rogue, donc tu te retapes un peu ce que t'as eu l'année dernière en BlizzCon. T'as peut-être juste le Serral TY qui serait inédit, mais quoi qu'il arrive, en fait, t'auras une très 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 grosse histoire sur les quarts de finale. Et petit à petit, le bracket est en train de se dessiner, hein, c'est un peu ça l'histoire de cette journée. Donc le prochain match, le tirage, il est fait quand d'ailleurs okay. Il est fait à la fin de l'émission, tu penses, le tirage? Non, il met du temps, il est pas fait. Traditionnellement, tu vois, tu l'as un peu le lendemain. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on les apprend dans la soirée voilà. après, généralement, mais après aux États-Unis, du coup, c'est plus tôt. Alors que nous, ça va arriver dans la nuit. Bref, on revient avec SOS versus Zest en PVP, deuxième place qualificative ouais. de ce groupe B. Est-ce que ce sera un Protoss ou un Protoss? Ça, voilà, c'est plutôt évident. Oui. La question, merci. C'est est-ce qu'il sera fou furieux ou est-ce qu'il sera le best? Zest contre SOS, c'est à côté, c'est dans 5 minutes.